Depuis 1951, chaque mois d'octobre, les collectivités sont amenées à participer à la Semaine Bleue. Il s'agit de créer des animations particulières pour les retraités et les personnes âgées. Bien évidemment, tous les ans, Luçon s'associe à cette opération avec des rendez-vous toujours très appréciés. À commencer par une rencontre intergénérationnelle, le principe en est simple, réunir autour d'une activité commune les anciens de l'atelier senior du CCAS et les enfants du centre de loisirs. Donc nous sommes partis sur les couleurs d'automne avec un mandala, deux mandalas. Donc chacun va colorier une pièce de ces mandalas et après tout le monde va coller sur un mandala principal les pièces qui seront coloriées d'une part et de l'autre. Ce qui devrait rendre quand même un certain point de vue. Voilà, donc ça nous a appris que des enfants en faisaient chez eux également. Les seniors en font maintenant depuis presque 4 mois. C'est une activité qui leur plaît. C'est toujours un petit peu les mêmes seniors qu'on voit avec les enfants. Ils sont habitués, ils viennent chaque année. Et ils attendent cette rencontre vraiment. Ils partagent cette animation avec beaucoup de plaisir. Autre rendez-vous de cette semaine bleue, le goûter, il aura lieu jeudi prochain. Il y a pas mal d'inscriptions déjà et on attend encore beaucoup de monde. Hein. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à vendredi soir. Donc on vous attend nombreux au goûter où il y aura une ambiance festive et animée par Christian Ducap. Et pour s'inscrire, c'est simple, il suffit bien évidemment de contacter le CCAS de Luçon.